projet de requalification. Donc là, c'est plutôt sympa, évidemment, parce que ça montre qu'on a des bonnes idées pour cette ville, et notamment, compris je le redis, parce que c'est vrai que livrer ce parvis-sud des Halles en piéton, alors qu'on a l'habitude depuis des décennies et des décennies de voir passer plusieurs centaines, voire milliers de voitures au jour, c'est un pari voilà, qui n'est pas forcément évident. En même temps, c'est un pari qui, sur la durée, il n'y aura plus personne qui voudra revenir en arrière. Et donc, c'est là où on voit que ce type de projet, aujourd'hui, il est attendu. Donc, nous, évidemment, on est là pour partager. Et il y a toujours une phase de concertation pour tous les projets qu'on conduit. Mais après, une fois que les grands principes et les grandes orientations, elles ont été partagées, il faut y aller. Parce qu'après, c'est la qualité de vie voilà, qui est proposée à tout le monde, à la fois les commerçants et les riverains, et puis aussi ceux et celles qui aiment le tout. Après, on vit en ville. Une ville, ça bouge, une ville, ça vit. Mais après, il y a aussi une grande majorité d'habitants, donc, même des commerçants qui sont en attente. Comme dire. Après, il y a la rue d'Olivier qui va terminer avant le festival, donc elle est en cours de finalisation. Et après, il y a rue Grigola et rue Petite Mouche. Donc oui, les travaux nous démarrons sur le festival. Les gens qui sont à Maralis, ils admettent que ce soit dans notre IES, dans notre IES ou ici, quand on a connu ce que c'était, quand on est venu aujourd'hui, c'est quand même du mieux. Ouais, c'est une qualité de vie qui est refoulée.